Sapianta Giro, tu m'appelles d'où? De Tabou, il a dit. C'est tabou. C'est Dabou ou bien Tabou? Tabou. Tabou derrière San Pedro là. On vient à San Pedro, Inch'Allah, en janvier. D'accord. Il dit que tu es chrétienne, c'est ça? Pardon? Il m'a dit que... Je suis témoin de Jéhovah. Ah, tu es témoin de Jéhovah. D'accord. Quelle est ta question, ma soeur? Quelle est ta question? Bon. Allô? Oui, allô? Je dis, quelle est ta préoccupation? Ah? Oh non, il m'a dit, il y a une soeur chrétienne qui a des questions à poser. Allô? Oui, allô? Le frère m'a dit qu'il y a une soeur chrétienne qui a des questions à poser. C'est pas une question, t'as fait celle. Bah allons-y, si tu n'as pas de questions, moi, il y a des questions à te poser. Vas-y. Mais il faut parler. Allô? Oui, allô? Elle est où? Elle est là. Je suis là. Bon, il faut lui passer le téléphone. Comme elle n'a pas de questions, moi, je vais lui poser des questions. Ok, tiens. Oui, allô? Ma soeur, tu es témoin de Jéhovah, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2013. Depuis 2013, ça fait près de 10 ans maintenant. Oui. D'accord. Tu sais que chez les témoins de Jéhovah, là, ils ne donnent pas le sang pour sauver des vies, non? Très bien. Pourquoi vous faites ça? Si ta maman est malade, là, elle qui t'a mise au monde, elle a saigné pour toi. Si elle est entre la vie et la mort, et qu'on te demande, toi, sa fille, là, de donner du sang pour sauver ta maman, tu as donné ou bien tu n'as pas donné? Je n'ai pas donné, puisque c'est Dieu qui demande, mais n'est pas fait, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas donné. Ni moi-même, ça m'arrive, je ne vais pas le faire aussi. D'accord, tu n'as pas donné sang à ta maman pour lui sauver la vie. Est-ce que tu peux me montrer un verset dans la Bible qui dit de ne pas donner sang pour sauver vie? D'accord, vous pouvez prendre le texte de Actes. Je viens, je suis hâte. Vous avez vu à côté, non? Moi, il y a la Bible ici à côté, Inch'Allah. Ok. Moi, je vois verser là aujourd'hui. Là. Là, on va voir si on donne 100 ou bien on ne donne pas 100 pour survivre. Acte, combien? Je viens. Faut venir. Qui m'appelle? Acte 24. Il faut être sûr de verser la dette. Ça fait 10 ans que tu es témoin de Jéhovah. Donc tu dois. Je prends le verset. Puisque souvent, on peut oublier le verset. Donc, il est vérifié avant de donner le verset. Pour que l'humain pense que c'est un homme qui travaille à l'agence. Si vous voulez, par exemple, laquelle il m'a battu. Puis il prend le téléphone. Non, ce n'est pas grave. On peut parler. Il n'y a pas de problème. Ok. Attends. Attends, tu as plus le non, non, non. Je suis déjà là. On n'est qu'à parler en même temps. Allô? Oui, allô? Non, il y a reçu un appel. Allô? Oui, allô, je suis là. Oui, ça va chez toi. Il y a un appel. Vas-y, quoi? Appel, tu ici. Ta maman. Je suis là. Ta maman a saigné pour toi. Allô? Quand ma maman m'a accouché, quand la maman, nos mamans nous accouchent là, elle saigne. Elle est entre quoi? Toi, tu as grandi. Elle pourrait te tuer, elle pourrait te faire ce qu'elle veut. Elle est malade, elle a besoin de sang, qu'au Dieu dit, il ne faut pas donner sang. Il faut me montrer le verset là. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Je viens, monsieur, je viens. Faut venir. On a... Je suis sur le téléphone, je vous reviens après. Ah non, 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 il n'y a pas après, il faut montrer le verset là. Là, il a monté le verset, il n'a pas la pression. Ça, il veut monter le verset, ne vous inquiétez pas. D'accord, je suis là, j'attends. Faut pas raccrocher, je suis là, je suis là. Et bam, so qui wolo. Elle a subhanallah. Ma maman, même si on dit de donner rien pour à ma maman, il est donné. Elle là, elle était avec la vie et la mort pour nous mettre au monde. Moi, je vais vous montrer. Dans quoi on vous a mis en fait? Ta maman, ta propre maman, ou bien ton papa, problème de sang,
Toi, tu as le même sang, par exemple, O plus, O plus, ou bien O plus. Mais au moins, si on voit le verset là, là. C'est pas tous les versets qu'on peut dire, je vais faire le verset tout à l'heure. Je suis là, faut pas raccrocher, je suis là. Il y a tant le verset. Je suis dans l'acte, hein. Acte s'arrête à 28. L'homme vous donnera, cherchez, vous trouverez. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je connais bien le verset là. D'accord, donc on veut où on va rester là, il y a demain matin. Oui, mais il va monter au verset. Il va monter, c'est pas la version en retard, mais si on peut plutôt verser, quand il vient de faire recherche, il va monter le verset. D'accord. Là, il va tomber le verset. Et où fait quoi? D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis là. Marie, même, Marie a accouché Jésus là. Jésus il était là, il allait donner sang pour sauver Marie. Jésus même, que toi vous suivez. C'est vrai que vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Non, je sais que Jésus n'est pas Dieu. Vous les témoins de Jéhovah, vous croyez que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Mais les autres chrétiens ne vous font pas parler. Jésus vous en prennent. Pourquoi nous on dit Jésus n'est pas Dieu? Mais quand les témoins de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu là, pourquoi vous ne vous en prenez pas à eux? Mais quand nous on dit Jésus n'est pas Dieu, les musulmans, mais les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Les chrétiens qui sont les plus proches des musulmans. Dans la divinité surtout. Il est maintenant à l'air tête. Parce qu'il croit qu'il n'est pas Dieu, mais le fils. Était parce qu'il est le fils de Dieu, fils même. Là-bas, si on enlève ça là, il serait pas de les amener à l'islam pour les confus. Il faut qu'il vérifie bien le vêtement de vous. Il faut vérifier d'ailleurs, parce que moi aussi, je vérifie. Quand il acte net, il dit, Dieu merci. On ne finit jamais d'apprendre. On ne peut jamais d'apprendre. Moi, je ne connais pas toute la Bible, je ne connais pas tout le Coran, je ne connais rien. Mais je me débrouille. Mais ça, là, on va voir où Dieu dit qu'il ne faut pas donner sang pour sauver l'homme. Moi, mais je peux te montrer un verset. Avant que toi, tu trouves ton verset là. Il y a un homme qui était malade là. Il a été agressé. Acte 15, verset 29. Acte 15, verset 29. Okay, on va vérifier. Je suis à la page. Acte 15, verset 29. Acte 15, verset 29. Je lis. Je peux lire ou bien tu vas lire? J'ai dit, prenez l'hôtel et Acte 15, verset 29, vous allez lire ça là-bas. Je suis dans Acte 15, 29, on n'équipe pas, je vais lire. Savoir de vous abstenir. On dit savoir de vous abstenir. Des viandes sacrifiées aux idoles. Ça c'est quoi? Du sang des animaux. Des animaux. Étouffé, ça veut dire que Djoufa. Ça veut dire Djoufa. Des sangs d'animaux étouffés. Et de l'impudicité. Chose contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Où est-ce que c'est écrit là? C'est écrit où? Pas de sang d'animal. On dit de ne pas égorger l'animal étouffé. Ça veut dire que le sang d'animal, moi il dit donner sang pour sauver vie. Je prends d'abord le verset 2 et 1 et 2. Dieu bénit Noé et ses fils. Genèse 9, verset 4. Oui, mais je lis le 4 là. Il faut prendre le 1 à 4 pour comprendre le contexte. Ah, on ne lit pas comme ça aussi. Il y a des versets là, on connaît déjà le contexte, on peut donner directement. Donc Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte pour tout animal
de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meurent sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, et ils sont livrés entre vos mains. Ça fait un. Verset 3 maintenant. Tous ceux qui se meurent, tous ceux qui se meurent, et à qui? Et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est fini. Verset 4 maintenant. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. De ne pas manger la chair avec son âme et son sang. Il faut égorger d'abord. Le sang va couler d'abord, comme les musulmans font là, avant de manger. Il a dit où est-ce que c'est écrit? Il ne faut pas donner sang pour sauver vie. D'accord. Ça va deux versets, non? Ça va deux, tu n'as rien dit d'abord, il faut chercher encore. On continue encore. On n'a même pas commencé, on continue comment? Non, il n'est pas fini, il y a des versets. Tu n'as rien donné d'abord même. Tout ce que tu dis là. Il n'est pas fini. Voilà, on dit de ne pas manger le sang. De ne pas manger. Il m'a demandé pour moi, comme il y a un problème là, pour mes soeurs, mais ça ne gâte pas que le fait qu'il m'a appelé pour que vous puissiez parler de ça. Si ce n'est pas prévenu, mais ça ne gâte pas aussi. Voilà, les versets, vous montrez les versets. Puisque vous le versez là, il va vous faire retourner. Mais il cherche. On a les versets en tête, mais aujourd'hui, on peut oublier le verset maintenant. Moi, mes chefs, je vais vous envoyer le verset. Vous allez lire ça. Ma soeur. Ma soeur. Voilà. Même si je suis malade, il s'est marqué pour de mourir. Je ne vais pas prendre le sang. Parce que le sang, ça représente la vie. Bon. Dieu, il n'est pas pour le sang. Si j'ai pour le sang, il n'est pas rentré sur la vie. Si je veux, il ne va plus me donner la vie. Donc, il préfère mourir, il doit obéir à ce qu'il a dit, et puis mourir. Il faut montrer verset là où on dit. Il faut m'écouter un peu. On dit de montrer verset où tu as. Je vais montrer le verset. Alors, ça fait 10 ans que tu es témoin de Jéhovah, non? Tu dois quand même trouver verset qui dit qu'il ne faut pas donner ça pour sauver vie. Tu dois quand même trouver ça 10 ans. Ta propre maman là, notre maman a souffert pour nous mettre au monde, tu dis non, il n'y a pas donné sang. C'est ton problème, c'est pas grave. Moi, il ne t'oblige pas. Hein. Ça, c'est votre conception. Mais il faut trouver verset là, au moins la preuve. Tu ne peux pas suivre l'homme de Dieu comme ça sans preuve. Il faut montrer au moins la preuve. Voilà. Prenez le verset 17, verset 14. Voilà. On s'en va comme ça. Lévitique 17, 14. Je suis à la page. Car, d'abord, il commence au verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne. Ils ont coupé. Je vais lire quand même le 17. Non, il y a dit quoi? Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Mangez. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Mais où est ça? On parle d'égorger l'animal ici. Avant de manger. Les musulmans ont compris ça depuis 1400, 1500 ans. Le prophète Sassalam nous a déjà enseigné cela. On ne mange pas. Comment? On va égorger. C'est pourquoi? On dit, maintenant, les musulmans égorgent les viandes avant de manger. Oui, c'est ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, monsieur? Oui, j'ai lu le 14 là. On parle de manger sang encore. Tu dis non, qu'on ne donne pas sang pour sauver âme, vie. Là. Allô? Oui, allô? Il y a les versets en tête, mais on peut oublier. Mais comme il ne m'a pas prévenu là, je veux dire, le verset, il y a des versets, il y a vous envoyer par SMS. Ma soeur. Je veux dire, vous dites là, moi, c'est moi, j'appuie la vie, mais je ne peux pas. On dit là, parce que je dis, parce que ma maman a souffert, ma mise au moins a souffert, et elle est au point de mourir. On lui dit, prends le sang, il faut y prendre le sang. Est-ce que j'ai dit que je vais revenir à prendre le sang? Il ne va pas prendre le sang. Donc, moi, il ne va pas prendre le sang. Allô? Même si je suis au point de mourir, je vais mourir. Est-ce que j'ai dit que moi, je prends le sang? Il ne va pas le faire. Allô?
Ce n'est que moi, il ne vous fuit pas. Hein. Il ne vous fuit pas, monsieur. Allô? Oui, personnellement, je vais répondre à ça. Attends, il a te posé la question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a un verset dans ta Bible où Dieu dit de ne pas donner sang pour sauver vie? Il y a un verset qui montre cela. Parce que le sang, là, ça représente la vie. Où est-ce que Dieu a interdit? Je t'ai pas demandé commentaire en fait. Il dit faut montrer, on va lire. On finit jamais d'apprendre. Nos petits. Il n'est pas encore par SMS. Il m'a pas prévenu et puis vous a appelé. D'accord, bon, on va laisser ça. On va laisser ça. Attends. Maintenant, si toi ton enfant qui t'a mis au monde là, il est malade. On dit le problème de sang. Tu as pas donné sang pour ton enfant et tu préfères qu'il meure. Je ne vais pas donner le sang, puisque Dieu même vous a créé là. Il dit le sang représente la vie. Donc tu as laissé ton enfant mourir. Je fais la vie d'une personne. Bon, allô. Donc, vous n'avez pas allô, le fait. Allô. Donc si toi-même tu es malade et que tu ne souhaites pas, tu es entre la vie et la mort, et puis on va te mettre du sang, est-ce que tu as accepté? Je ne vais pas prendre le sang. Ah, tu préfères mourir? Je préfère mourir. Ah, très bien. Bon, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. On va se calmer un peu. Voilà. On va boire un peu d'eau maintenant. Maintenant, je dis, ma soeur, pourquoi tu es le témoin de Jéhovah là? Oui. Vous ne croyez pas. D'abord, dans la Bible des témoins de Jéhovah là, la femme qui a commis l'adultère dans les autres Bibles là, pourquoi c'est coupé chez vous, ça n'existe pas? Qui a commis l'adultère? La femme adultérienne que Jésus devait lapider là. Comment ça s'appelle? On dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre là, tu connais. Jésus n'est pas dans le livre des témoins de Jéhovah, non, quoi. Non, il n'est pas dans le livre des témoins de Jéhovah. Non, on n'a pas une Bible à part. Vous avez votre Bible à part? Non, on n'a pas une Bible à part. Pourquoi? La Bible, par exemple, dans les versets, dans la Bible, il y a une partie où le nom de Dieu, Jéhovah, même s'est présenté, il a pris son propre nom. Non, il dit, votre Bible, c'est la traduction du monde nouveau. Le nom a été retiré. Non, il ne parle pas du nom, ça. Il faut me voilà. Calmer un peu. Non, honnêtement, je n'ai pas de Bible à part. Ma soeur, vous pensez que ma soeur, oui, allô. Votre Bible, on appelle ça la traduction du monde nouveau. C'est vrai ou c'est faux? Pardon? Votre Bible, la version de Bible des témoins de Jéhovah, là, on appelle ça la traduction du monde nouveau. Et ça, on appelle ça la traduction du monde nouveau. Alors, est-ce que toi, tu lis Luc Second, là, tu utilises ça? On n'utilise pas le second. Alors, tu dis qu'on n'a pas mis les mêmes Bibles. Il faut te calmer un peu, ma soeur. On n'utilise pas le second. Maintenant, moi, j'ai appris de la Bible. Ouais. Est-ce que moi, j'applique? Parce que, dit, quand je lis, je comprends. Est-ce que moi, j'applique? Dans votre Bible, là, Matthieu 17, 21, là, c'est coupé. Pourquoi? Matthieu 17, verset combien? Verset 21. Matthieu 17, 21. Tu as la Bible avec toi, faut ouvrir, tu vas voir si y en a. Matthieu 17, ouais. 21. C'est dans mon portable, c'est pour décharger même. Ah. Si j'étais là-bas, j'allais prendre ma propre Bible, le livre en nous. Ah, sinon, dans le livre, là, verset là, c'est coupé. Hein. Matthieu 17, 21, ça n'existe pas. Matthieu 17, 14, ça n'existe pas, etc., etc. Il y a près de 14 versets dans la Bible des témoins de Jéhovah qui sont coupés. Est-ce que quelqu'un peut couper la parole de Dieu, ma soeur? Allô? Allô? Pourquoi vous coupez la parole de Dieu pour enlever? Je vérifie. Mon portable est déchargé. Bon, c'est pas grave. À quel moment le frère peut appeler? Monsieur Sylvain est sur là. Ici. Il n'y a pas de problème. Il peut vous envoyer les messages, les SMS. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu prends mon numéro. Maman est appelée après, on va parler de ça. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Sois béni. Ok. Quand tu dis sur le droit chemin. Salam alaikum, famille. Hier, gardez ma voix pour le soir, sinon on est en train de partir. Voilà, hier j'étais là, aujourd'hui encore je suis là. Nous sommes en direct sur TikTok, peut-être Facebook, YouTube simultanément, je ne sais pas si. Oui, c'est vrai, la patience là, c'est pas facile. Hein. J'ai un oncle là, il m'a vu au village, et puis il dit, est-ce que moi, je ne sais pas comment on appelle ça en français, non? Il y a une bulle dans l'homme qui fait que tu te mets en colère, pancréas, non? Il dit, est-ce que moi, il y a ça?
C'est ça qui fait que l'homme se devient en colère. Il y a un docteur à côté de moi ici, donc là. Il a dit, non, moi, il y a ça. Je me mets en colère souvent, hein, mais j'ai fait l'effort, en fait. Moi, il y a des vidéos où je me suis énervé. Les gens m'appellent, mais pourquoi ou ça, tu t'es énervé aujourd'hui, hein. Il y a près de 40 vidéos. Ils voient 2-3 vidéos sur ouais, TikTok. DDR. Il a dit, bon, ça peut arriver, non? Mais on fait l'effort. C'est comme le... notre chèque nous donnait comme ça un exemple. Il dit, par exemple... il dit, tu es en train de mener 2-0 dans un match. Toi, tu mènes 2-0. Et puis, l'adversaire, l'équipe avec qui tu joues là, l'équipe là, vous êtes dans la 90e minute, hein, toi, tu mènes 2-0. Et puis, l'équipe là, maintenant, te provoque pour faire palabre. Toi, tu as tombé dans palabre là, quoi. Parce que si toi, tu tombes dans palabre là, arrive à annuler le match, et puis à rejouer ça, quelques jours après. Mais toi, tu gagnes déjà 2-0. Donc, tu es obligé de te concentrer, de rester tranquille, de te concentrer. Et puis pour qu'on siffle la fin. Donc on fait l'effort. Voilà, si vous nous voyez en colère souvent, acceptez souvent, mais de temps en temps, il faut aussi voilà, essayer. Mais bon, ce n'est pas la bonne manière, quoi. Inch'Allah. Qu'Allah donne la sagesse, Inch'Allah. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. Opération, un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale baptisée par... ou bien encore implanté par le docteur de Madi, il a confirmé, il dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est la capitale de l'interreligieux. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est un honneur. Donc, la capitale doit forcément abriter le siège de l'interreligieux. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de construire le centre là, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent participer, vous êtes priés de nous envoyer vos participations sur nos différents numéros. Voilà, hier. Yeah. Depuis hier, les gens ne font que participer, Inch'Allah. Boaké, le montant qu'on a reçu à Boaké, on est en train de faire le point. On va vous divulguer ça, on va vous informer. Également, ceux qui ont participé par un internaute à partir de 1000 francs, nous sommes à près d'un million même déjà. Un internaute à partir de 1000 francs. Donc, votre participation sera le bienvenu. Vous pouvez participer à travers Orange Money, Wave, MTN. Wave également, Move également. Donc les numéros sont 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà, vous pouvez participer. À Bruxelles, non? Oui, Bruxelles, vous pouvez participer par Wave Money ou Orange Money ou MTN Money ou encore Move Money. Merci à Docteur. Voilà. 07 47 32 04 55. Oui, salut, c'est ça. C'est le numéro Youssouf, c'est ça? Youssef. Bon, ben, c'est Youssouf Keïta. C'est le numéro. Oui. Aimant, c'est ça, non? Shop. Ouais, c'est le numéro. Vous participez par Wave, par Orange Money également. Dès que vous participez, ils reçoivent en même temps, instantanément. C'est en temps réel, quoi. Maintenant, ceux qui n'ont pas Wave, Orange Money, peuvent nous contacter par WhatsApp. On va les envoyer un nom sur lequel vous participez. C'est l'Union Monogram et RIA également. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, je suivais un direct du DDR. Je voulais me rassurer si c'est DDR vraiment. C'est Oustad Diané. Je suis en direct même actuellement, Inch'Allah. Ouais, c'est là que je vous ai suivi. Puis j'ai pris le numéro là. Voilà, c'est le numéro. Voilà. Ok, moi je suis à Ma. D'accord. On vient à Ma dans 2-3 jours. Oui, on m'a dit ça. Lui-même a dit ça vendredi. À la mosquée. Vous pouvez venir accueillir. Venez nous accueillir. Et le docteur Ami Liberté, Orsi. La DDR, tout le monde. Voilà, je viens de recevoir 2000 francs. Je ne sais pas qui a fait, mais j'ai reçu tout ça. Non, c'est pas moi. C'est moi. Moi, j'ai fait pour moi tout à l'heure. D'accord. Donc, préparez-vous, Manois. On arrive à Ma, Inch'Allah. C'est à la place de la paix, là. On a deux conférences à faire là-bas, à la place de la paix de Ma, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Donc, je vais participer tout à l'heure. Le vendredi et le samedi prochain, Inch'Allah. Ah, ok, Inch'Allah. Que Dieu nous donne ça en bonne santé. Oui, c'est le jeudi même. Oui, mais du coup, on arrive. Je vais participer tout à l'heure. Non. Voilà, jeudi et le vendredi. Ok, je vais participer à ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, voilà ici un peu l'opération. Un internaute à partir de 1000 francs. Voilà, si nous sommes 300 et quelques actuellement, ça fait déjà 300 000 francs pour la participation du centre. Le centre là, il y a mosquée deux niveaux, il y a une école de 10 classes, et puis il y a salle de conférence, il y a bibliothèque, il y a une radio, il y a des docteurs, il y a
la mosquée. Voilà, donc il vient de recevoir 1000 francs. Ok, je ne sais pas ce qui, mais j'ai reçu. Allô? Ah, c'est quoi? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. C'est vous, Yanné? Oui, ça va bien, c'est Oustaz Yanné lui-même. D'accord, je t'ai envoyé mon pâtissier à tout Merci beaucoup, qu'Allah te récompense. Inch'Allah, tout Inch'Allah. est bien. D'accord. Comme je l'ai dit, un internaute à partir de 1000 francs. On est près de. On est. Bah, il y a vu ce matin, Ismaël a 996 000 abonnés sur sa page, Ismaël Aka officiel. 996 000. Moi, ici, à 626 000 abonnés, par exemple. Tout ça, c'est officiel. Bon, laissons-les à côté. Prenons 500 000, 500 000. Ça fait 1 million d'abonnés sur Facebook. Sans compter YouTube, hein, sur Facebook. YouTube, là, on est à 100 000 abonnés. On a dépassé ça. Bon, 100 000 personnes. 1000 francs, 1000 francs multipliés par 100 000. Ça fait 100 millions. C'est pas ça? Maintenant, 1000 francs multipliés par 1 million. Ça fait 1 milliard. On va. Allah Akbar. Le centre peut être construit par la grâce d'Allah rapidement même. Mais on doit vous motiver. Comme je l'ai dit hier, chaque fois que je serai les lives, je vais faire des lives, Inch'Allah, TikTok, YouTube simultané pour parler du projet. Vous montrer la vidéo. Parce que quand je serai au studio à Abidjan, si vous voulez participer, que ce soit 1000 francs, 500, peu importe le montant, même si c'est 100 francs, mettez l'intention dedans. Mettez l'intention. Je donne les 1000 francs pour la construction du centre, la mosquée, tout à l'intention de mon père, de ma mère qui est décédée, de mon oncle, de mon enfant, de mon travail, de mon mariage, etc. J'ai un enfant qui est. Si tu as un enfant qui, par exemple, ne respecte pas ou bien que vous avez. Il y a une fille qui m'a appelé hier. Elle était toute en larmes. Elle a bobo. Je viens de recevoir 1000 francs. Elle est toute en larmes. Elle dit que non, son petit frère a bobo. Il est dans la drogue. Il n'écoute pas quelqu'un. Tout ça. On n'est qu'à essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est déjà le cas là où vous pouvez participer. Faites doigt pour lui aussi. Allô? Alors, Imam Djani. Oustaz Djané. Ouais, ça, Djani, je viens de faire 5 000. C'est moi Voilà. qui vous ai appelé tout à l'heure, là, demain, Ça, là. tu as fait ça, c'est quoi? Orange ou bien MTM? Oui. Orange, Orange Money, Orange Money. D'accord, je vérifie, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Tout à l'heure, là. C'est de mon numéro que j'ai fait. D'accord, sans problème, je confirme ça tout de D'accord, suite. merci beaucoup. D'accord. Oui, j'ai reçu. Voilà, Orange Money, j'ai reçu. Oui, j'ai reçu, Inch'Allah. Ok, donc si le frère me suit, qu'il sache que j'ai reçu sa participation. D'accord. Merci à tous ceux qui participent déjà. Allô? Allô, salam Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. alaykoum. Ok, je viens de t'envoyer 5 000. Ah, il ouais, a vu ça, non? Ouais, salam voilà. Il vient de recevoir 2 000 francs sur Wave également. Je ne sais pas c'est qui, mais je reçois en tout cas. Merci à toi, mon frère. Qu'Allah te récompense. Bah, mettez toujours l'intention. Faut dire, il va gagner ta quoi. Bon, ne veut que mes flancs d'ila, ou bien voir quelqu'un d'ila, mais voir moi d'ila, à hiné et s'en fâchement, ou bien à hiné et s'en bamsoma, ou bien avec un sabbat, ou bien un barra et sabbati, il va gagner de la quoi. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, ça va. Alaykoum salam. Oui, il y en a qui ont dit, il voit quelqu'un qui demande le numéro est Wave. Oui, c'est Wave, le 0747-32-0455. Il vient de recevoir 1000 francs. Oui, c'est Wave, c'est Orange Money, c'est Wave. C'est 07 47 32 04 55. Il y a MTN aussi, qui est aussi Wave. Il y a Move aussi. Donc, il fait très froid, un peu quand même à Dalwa actuellement. On nous signale qu'à Mans même là même, il fait très froid. Donc, on met la blouson, est là. Donc, on est dans Dawa. Donc, ça fait partie de la Dawa également. S'adapter à la situation. Donc, ce soir, 20h, 22h, tout le monde à l'espace Bebani de Dalwa. Vous venez assister à la première conférence et celle de demain également. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Salam Waalaikum salam. alaykoum. Vous sentez aller demain, je suis en direct. Comme mon frère m'a dit. D'accord? Oui, on est en train de construire un centre islamique DDR. Oui. Savoir si votre numéro là, si c'est ici compte. Ouais, c'est Wave, c'est Orange Money en même temps, c'est Wave aussi. Orange Money, Wave. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a dit que de vous envoyer 25 000. Ah, vraiment, Kala le récompense. Ok, amen, On va amen. faire droit pour lui. L'intention qu'il a pris pour avoir sa participation. Kala met ça dans la balance de ses bonnes actions. Kala facilite sa vie sur terre et dans Amen. l'au-delà, y compris toi-même aussi, Inch'Allah.
Amin, Amin, Allah, Allah Merci tourne beaucoup. bien. Ok, merci beaucoup. Je vais D'accord. vous envoyer. Ok. Ok. À nous d'éteindre le numéro ou encore bloquer, éteindre, traduire, répondre, activer le mode muet. Et je ne connais pas de. Je voulais faire ça, mais je ne peux pas. Voilà, Ibrahim, merci beaucoup. Ibrahim, si là. Si Natacha était là, elle allait faire ça. Ou bien le modérateur, si je me suis ici, il peut épingler le numéro, c'est bon. Monter pour ta voix. Je sais pas. Bon. 07 47 32 04 55. Ouais, c'est pour la cause d'Allah, non? Donc, c'est fils Abidi là. Il y en a qui peuvent faire plus que ça. Donc, ils seront les bienvenus. Ceux qui veulent donner des ciments. Le numéro MTN, 05 2 fois 40 86 85. Voilà. Je viens de recevoir 2000 francs de Wave. Donc, 05 2 fois 40 86 85. C'est Wave, c'est MTN en même temps. 07 47 32 04 55. C'est Wave, c'est Orange en même temps. Oustaz, numéro Orange. Oui, 07 47 32 04 55. Ça, c'est Wave, c'est Orange. Maintenant, le numéro que Ibrahim Muslim vient d'envoyer, le numéro que les frères sont en train d'envoyer là, c'est le numéro de Orange. L'indicatif, c'est 225. Les deux numéros. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Voilà. Il y a un grand débat que le docteur Abdelmadjid, Inch'Allah, fera à Abidjan. On est en train d'organiser ça avec un pasteur. Il y a un qui viendra de la Belgique. Non, est-ce que c'est Belgique? C'est non. Le frère, il est, non, il n'est pas en Belgique. J'oublie ton. C'est au Canada, non? Ouais. 05 2 fois 40 86 85. Ouais, ça c'est le numéro MTN et c'est Wave en même temps. 00225. Merci Mounira. Mounira. Quel jour? Non, non, non. Le débat, là, on ne donne pas le jour d'abord, ni le lieu. Mais c'est à Abidjan. En pleine capitale, Abidjan. Dans une salle. Voilà. On connaît déjà la salle. On connaît la commune. Le parrain est déjà connu. Les médias sont contactés. Donc le débat aura lieu. Non, Gédéon ne va jamais accepter. Gédéon ne va pas accepter. Donc si vous pouvez contacter le général aussi, Makosso, ou bien Gédéon, le docteur Abdelmadjid est là. On est prêt à les recevoir dans un débat face à face sur la seule. On va organiser ça s'ils veulent, même au palais de la culture. Si Gédéon dit tout de suite là, il est prêt à faire débat avec le docteur Abdelmadjid. Et puis il dit, bon, il veut ça au palais de la culture, à la 4000 places. Mais les musulmans, il y a un seul musulman qui va se lever et dire, il loue la salle. Parce que ça fait un truc de 7 millions, si je ne me trompe pas, hein, palais de la culture là. Gédéon n'a qu'à accepter seulement. On fait ça en très gratuit. Voilà, même si on dit payant, il n'y aura même pas place, mais on ne va pas faire ça payant. On fait ça gratuit. En islam, on va leur donner ça, Inch'Allah. Voilà, il y a des conférences qui ont été faites payantes, mais ça là, on va faire ça gratuit. Il y a un seul musulman, il suffit qu'on lui demande, il va dire non, tenez l'argent, allez-y, organisez le débat là pour que voilà, la vérité soit connue. Mais ils ne vont jamais accepter. Donc l'appel est lancé. Gédéon de Latitude va et son groupe, le docteur Abdelmadjid est en Côte d'Ivoire. Vous êtes invités à un débat face à face avec le docteur. Si vous êtes prêt, il n'y a pas de problème. On ne vous oblige en rien. Mais pour vous dire qu'il était là, on ne vous a pas appelé, on ne vous a pas contacté. Voici le message. Que tout le monde partage ça. Également le général Makosso. Le général Makosso, s'il est prêt à débattre avec le docteur Abdelmadjid, il n'y a pas de souci. On va organiser ça en bonne et due forme. Il viendra surtout, surtout, surtout. C'est pour la cohésion. Voilà, donc pour la cohésion sociale. Après le débat, voilà, on va se saluer, on fera des photos de famille. Et puis bon, on va se séparer dans des bons thèmes. Mais je pense que cet état d'esprit-là, général Makosso peut. Ouais, parce que lui, bon, je ne le juge pas, mais voilà. On connaît un peu sa position aussi par rapport à ce qu'il pense aussi de l'islam. Il a fait beaucoup de vidéos, il a confirmé ce qu'il pense de l'islam, la véracité de l'islam. Bon, comme on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il va se convertir en islam. On ne sait jamais. Voilà. Ok. Ok, donc il n'y a pas de problème. Donc les internautes, passez le message à Gédéon de la Tchétchouva. Également, le monsieur qui a dit que lui, il a payé 3 millions pour aller derrière le docteur Abdelmadjid au Ghana, au Congo, là. On l'appelle fatigué, il ne veut plus, il ne veut même pas. Pourtant, tu dis, tu as payé l'argent pour aller derrière
n'est-ce pas, derrière le docteur pour aller faire débat avec lui. Maintenant, le docteur, il est en Côte d'Ivoire pour 2 mois. Donc, si vous n'êtes pas sorti là, vous venez montrer qu'il est dans le faux selon vous là, c'est que ce n'est pas la peine. Donc, le numéro, c'est le 074732. Aïcha, 074732-0455, c'est le numéro Wave, c'est Orange également. Votre participation serait la bienvenue pour la construction du centre islamique DDR. C'est un centre. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'interreligieux. Et nous, dans le domaine de l'interreligieux, par la grâce d'Allah, il y a eu des milliers de convertis en islam. Donc, on va les encadrer là-bas. Les jeunes aussi qui veulent apprendre l'interreligieux, on va les encadrer là-bas. Vous voulez inscrire vos enfants dans l'école franco-arabe, ils seront les bienvenus. En même temps, ils vont apprendre l'interreligieux. Je vais de recevoir 25 000 francs. Je ne sais pas c'est qui, mais je vais de recevoir 25 000 francs. Et wave. Voilà, celui qui a envoyé, sache que j'ai reçu. Ah ouais, c'est le frère qui a appelé tout à l'heure là. Il doit lui faire le dépôt. Voilà, je vais devenir musulman. Tu veux devenir musulman? Il n'y a pas de problème, il faut appeler sur le numéro tout à l'heure, on va faire ta conversion. Le nom sur le wave, c'est Lassana Diané. Lassana Diané, sur le wave. Voilà, donc, vous pouvez participer. Hier, avant-hier, donc quand on était à Boaké, non? Le fonds qu'on a reçu, ils sont en train de faire le point. Donc, on va annoncer aux gens. Et également, ce qu'on va recevoir à Daloa, on va annoncer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, quel numéro? 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est Wave, c'est Orange Money. Ouattara Sila, quel numéro? Bon, je ne sais pas. Donc, je disais qu'il y aura une salle de conférence, il y aura une radio. La radio va s'appeler la DDR, la Dawa dans la radio. Je peux avoir ton numéro, Wave? Oui, c'est le numéro Orange. Ouais, c'est ça qui est là. Le frère vient de mettre ça. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, c'est le numéro Wave. C'est aussi MTN et disons Orange Money. Maintenant, le MTN, c'est le 2 x 05 40 86 85. Ça, c'est le MTN et c'est Wave également. Il y a Move également pour ceux qui veulent Move aussi. Voilà, donc. Beaucoup de personnes disent, Oustad, on vient apprendre l'interreligieux, Oustad, donne-moi tel verset, Oustad, dans Matthieu, dans Sourate Tan, ceci, cela, Oustad, on nous dit que les musulmans vont en enfer. Voilà, je viens de recevoir 1000 francs. On nous dit, ceci, cela, l'interreligieux, là, la capitale, c'est la Côte d'Ivoire, baptisée par le docteur Abdelmadjid. Il dit, c'est la Côte d'Ivoire qui est la capitale de l'interreligieux. Et le centre aussi, le siège de l'interreligieux, Inch'Allah, sera en Côte d'Ivoire par la grâce d'Allah. Donc, nous saluons les autorités administratives et religieuses de la Côte d'Ivoire. Qui nous accompagne dans toute cette caravane-là, l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Nous parlons de cohésion sociale, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous savons tous que la cohésion sociale tient à cœur, 1980 francs, à cœur à toutes les autorités du pays et les autorités administratives, politiques et religieuses. Ça tient à cœur de toute la population, la cohésion sociale. Non. DDR est écouté par la jeunesse, par beaucoup de personnes. Et nous, on n'est pas dans cette carrière. Allô? Oui, allô? Oustad Diané? Oui, Oustad Diané, lui-même à quel honneur? D'accord, c'est Carole. Je viens de prendre depuis tout à l'heure. Ah, c'est que j'ai reçu alors. Je viens de recevoir ma soeur. D'accord, moi je suis à San Pedro. Ah, on vient à San Pedro à partir du 6 janvier, Inch'Allah. Le 6 janvier? Oui. D'accord, je voulais savoir si ce numéro est WhatsApp, parce qu'il y a longtemps, je voudrais rentrer en contact avec vous. Oui, c'est un WhatsApp, ma soeur. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, après votre direct, je vais vous appeler ou bien je vais vous écrire pour un échange. Oui, vous m'écrivez avec plaisir, ma soeur, ce sera avec plaisir. D'accord, donc à tout à l'heure, je vous suis à tout le monde. Ah, ok, merci beaucoup, ma soeur, merci pour votre participation. D'accord, merci. Allô, allô, salam alaikum. Alaikum salam. Il a reçu, non? Oui, il a reçu 25 000, non? Voilà, allez, les j'ai reçu, sans problème. Il a grand frère, avec Allemagne, il est allé la faire. C'est que je suis en direct. Attends, Eddy. Attends, que Youssouf Keïta. Ah, Keïta Youssouf, oui. Voilà, Keïta Youssouf. Ah, j'ai vu son commentaire tout à l'heure. Ok. Voilà. Sans problème. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Keïta Youssouf, merci beaucoup. Hein. Mais il faut que tu vas rentrer dans la DD Allemagne, hein, parce que la DD Allemagne nous suit. Donc, quand j'aurai ton numéro inbox, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp de DDR Allemagne. Voilà, pour que
nous puissions vraiment voilà, agrandir le groupe. La DDR est implantée à près de 60 pays maintenant. On est arrivé même jusqu'en Indonésie, le premier pays musulman au monde, le plus grand pays musulman au monde, en tout cas en termes de pourcentage. Ils ont le plus grand pourcentage de l'islam dans le monde, l'Indonésie. Même en Arabie Saoudite, nous y sommes. Je salue Jabi Abbakar, le président de la DDR de l'Arabie Saoudite. Surtout, il est à la Mecque. Il y a l'autre aussi, Bamba, qui est à Riyad. Voilà, la DDR est implantée. La DDR internationale, parce que même en France, la DDR a eu son agrément en France, reconnu par l'État français, même, voilà, par la grâce d'Allah. Donc, nous devons donner aussi l'exemple pour montrer à nos autorités ici et celles de l'intérieur, de partout dans le monde, même en Mozambique. J'étais même ce matin en train de parler avec le président de la DDR Mozambique, Ablaï Keïta, que je salue au passage. Ablaï Keïta me disait un matin, il dit, hey, où ça, j'ai les larmes aux yeux, je suis de Boaké. Hein? Le docteur était à Boaké, je ne suis pas là. Il lui a dit, non, c'est la première édition. La caravane DDR, l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale, c'est la première édition. L'année prochaine, Inch'Allah, on va s'organiser pour faire la deuxième édition, ainsi de suite. Et peut-être on va visionner d'autres villes où le docteur n'est pas parti, telles que Korogo, par exemple. Voilà, et beaucoup d'autres villes, quoi. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à toi, Keïta. Oui, voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous venez quand en France? Bon, priez pour nous. Moi, c'est Château d'Eau, là. Il faut que je mange au Château d'Eau. Il y a des Château d'Eau. Vraiment, ça ressemble à Abidjan même, hein. Allô? Allô, Oui? assalamu alaikum, Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, depuis le Burkina. ouais, depuis le Burkina, je vous dis, où suis-tu? Alhamdulillah, ça Je fait suis plaisir. tout ce que vous faites, voilà. On vient au La dernière fois Burkina. que je suis à Ouaga, mais c'était bizarre. Oui, mais on vient, Inch'Allah, l'année prochaine, après la tournée, on vient parce que il y a la nouvelle équipe de DDR qui a pris fonction. Voilà, l'ancienne, là, l'ère Mandia est finie. Donc, on a mis une nouvelle équipe en place à la tête. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le groupe. Il y a le frère, il y a notre tonton Ibrahim qui est là aussi. Il y a Haroun Kone qui est là. Ils sont là. Il y a le numéro même qui est là. Donc, ils sont en activité actuellement. On viendra pour installer le bureau officiellement, Inch'Allah. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai fait un geste bien avant, donc je voulais vous appeler pour vous saluer aussi. Ah, ok. Merci beaucoup pour ton geste. Merci. Qu'Allah mette ça dans la balance de tes bonnes actions. Voilà. Qu'Allah fasse Amine. que ça, le mérite atteint aussi les parents qui sont décédés. Il ne faut pas qu'on les oublie, quoi. Ceux qui sont décédés, ils ont Ouais, besoin bien de notre doigt, de notre sacrifice aussi, Inch'Allah. sûr. Ouais, bien sûr, D'accord. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Il y a une maman que elle s'appelle Fatmata, je n'en dirai pas plus, mais elle a la dernière fois elle a envoyé de l'argent, on a fait un puits. Elle a dit de faire le puits pour à la mémoire de sa fille qui est décédée. Donc on a fait le puits est fini. Elle se reconnaîtra si elle me suit. Elle est en France, le puits est fini. Les gens même sont en train de consommer de l'eau et tout ça. Mais je n'ai plus son numéro. Je vais réinitialiser mon téléphone, il était trop chargé. Donc, je n'ai plus son numéro pour lui envoyer l'image du puits, pour voir que les femmes sont très heureuses dans le village où on a fait le puits. Vraiment, si elle peut me contacter pour que je lui envoie les images, elle sera très heureuse. Parce que la première fois, quand elle a vu déjà, ils ont creusé le puits seulement sans même mettre les carrelages et tout ce qu'on prend pour tirer, pour sortir. Elle a commencé à, elle a fondu en larmes en même temps. Et après, 2 jours après, le puits n'était même pas encore fini. Hein. Les femmes étaient en train de, elles étaient pressées. Il vient de recevoir 1090 francs. Non? Voilà, donc les femmes ont commencé à prendre de l'eau. On lui a envoyé la vidéo aussi. Elle a commencé à pleurer, tout ça. Donc, une manière de lui dire que le puits est fini. Ça a été carrelé, tout, dans un village. Parce que moi, j'ai expédié l'argent. Traoré, notre coordinateur général, lui aussi l'a envoyé. Puis ils ont fait le puits. Ils ont envoyé les images. Les femmes sont en train de. Du coup, elles font rang pour aller prendre de l'eau. Donc, si elle me voit, Fatmata, elle me connaîtra. Voilà, elle était à Abidjan. Elle, si elle me suit, qu'elle me contacte urgentement pour que je lui envoie les images du puits pour lui montrer que c'est fini, quoi. Merci beaucoup. Combien envoyer pour faire un puits? Il y a forage et puis il y a puits. Elle, c'est un puits, elle a fait. Le gars avait dit carrelage, tout, non. C'était dans les 400 et quelques mille là-bas. 400 et quelques mille. Attends, je reviens, je vais donner l'information. Allô? 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 Bon, c'est un problème de connexion ici. Donc, je crois d'aller.
Parce qu'il y a plusieurs modèles. Hein. Le gars m'a envoyé les images, il m'a dit ça c'est 380 000. Après, il a dit ça c'est 480. Après, il a dit ça c'est 600 et quelques mille. Donc, il y a le puits qui est. Disons, il y a un, on a mis les jantes de voiture là. Tu vois, quand les femmes tournent, elles tournent comme ça, là, la corde tourne pour faire sortir l'eau. Il y a ça. Il y a un, c'est avec un truc comme ça, pression comme ça, pour que l'eau sorte. Il y a ça. Il y a un aussi là, tu appuies, tu prends ton pied, tu appuies, et puis le sort. Il y a ça. Il y a un aussi là, c'est corde en main pour tirer comme ça. Donc, ce n'est pas le même prix en fait. Mais ça varie. Il a dit, premier prix, c'était 380 000, et puis 480, 600 et quelques, même jusqu'à 1 million. Mais c'était carrelé. Hein. Il y a un, c'est peinture, ils ont fait. Mais nous, on a dit à la maman de faire ce qui est carrelé là. Donc, elle a fait ce qui est carrelé. Allô? Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi. Allô? Allô? Salam wa alaykoum salam wa alaykoum. Vraiment. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup, non. Qu'Allah vous récompense. Amen. Inch'Allah. Non, j'avais reçu un appel. J'avais reçu un appel. Donc, c'est ce soir à Daloa, à la place Bebani, espace Bebani, 400 euros. Il a reçu 5 950 francs. Et 4 950, quelqu'un vient d'envoyer 5 000. Donc les frais 50 francs, c'est pas grave. Donc on considère que c'est 5 000. Voilà. Donc la personne qui a envoyé 5 000 tout de suite par web, qu'il sache que j'ai reçu quoi. Donc maman Mariam, oh ben c'est Fatmata, Fatmata, Fatmata. Celle qui m'a donné l'argent à la DDR pour faire le puits. Le puits est fini. Le puits est fini. Les femmes ont commencé à prendre de l'eau. C'est carrelé, tout est fini. J'ai les images. J'ai la vidéo. Est-ce que je n'ai pas ça ici même? J'ai la vidéo, attends, il y a Yaya Traoré, il va m'envoyer ça tout de suite. Là, je vais vous montrer ça en même temps, vous allez voir, Inch'Allah. Et c'est aussi une sadaqa djariya, quoi. C'est très, 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 très important. Donc, je vais montrer 1000 francs. Ouattara, joli. Nous lui signalons votre appel. Merci de J'ai patienter. appelé Imam Traoré, il va m'envoyer les images là tout de suite, il va vous présenter, quoi. Bah, l'image là, ça est dans le téléphone sur lequel je suis en train de faire. Allô, Yeri, Imam? Pardon, l'Atlantique, on a fait son puits dans le village là. On appelle village là comment? Pardon? Le village où on a fait puits pour la femme là, à la mémoire de sa fille là. Village là, on appelle ça comment? Somokoro. Somokoro. C'est vers où? C'est vers où? Sous-préfecture du département de Mankono. Ok. Maintenant, tu m'as envoyé la vidéo sur mon autre numéro là. Tu peux m'envoyer ça ici? Comme je suis en TikTok actuellement, il y a des gens qui demandent quoi? Il veut le demander aussi, ça va coûter combien? Je vais leur montrer l'image de la femme là. Et puis la femme aussi, j'ai perdu son numéro. Je donne, je suis sur TikTok. Elle s'appelle Fatmata, non? Il t'a envoyé son numéro, non? Ah bon? Il t'a envoyé, il a dit que la femme là, il la connaît, mais il ne faut pas la faire croire qu'il la connaît, quoi. Ah, d'accord. D'accord. Bon, faut m'envoyer, pardon, faut me ramener son numéro. Et puis tu m'envoies les vidéos là tout de suite, pardon. Il va montrer ça en TikTok rapidement. Ok. Voilà, parce que beaucoup de personnes font leurs œuvres dans l'anonymat, en fait. C'est pourquoi l'imam ne veut pas que. Voilà, donc, voilà. Allah dit quand le bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Il m'a envoyé la vidéo, je vais vous présenter toi tout seul, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi. C'est Aïcha, c'est moi, je viens de faire le dépôt 5 000 là. Ah, ok, c'est toi qui étais dans le live tout à l'heure? Oui. Merci d'avoir mis les numéros. Hein. C'est une dawa aussi pour toi, hein, ma soeur. D'accord. Tu es dans quelle ville? Je suis à Abidjan, même Ok, précisément d'accord, ça en marche. Donc, connectez-vous, hein, parce que le débat du docteur Abdelmadjid là, vous serez tous là. Les femmes Oui, de je vais terrain vont partir, vous je prends le installer, ils vont numéro. installer les Je zones vais de partir débat, là-bas. Inch'Allah. D'accord, je vais venir. Qu'Allah facilite. Amin. Merci beaucoup, ma soeur. Non, de rien. Tout ça, c'est la dawa aussi, le fait d'épingler les numéros, de nous aider à transmettre le message Sendawa. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Ça, c'est la France. Allô? 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 Allô, ça, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa Dieu, merci. Je vous vois en direct tout à l'heure là. Oui, je suis en direct, non? Oui, je suis en direct, non? Oh, ouais, je t'appelle par rapport à l'aide. Oui. Pourquoi on appelle l'aide du coup, fait. Oui. En fait, moi, je suis en Europe, comment on appelle? J'ai payé le nom qui a été identifié avec le numéro. Oh. Pour un dépôt. C'est Lassana Diané. C'est Lassana Diané.
La femme a Diané. 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 Diané ou bien D. D-I-A-N-E. D-I-A-N-E. D'accord. Merci. Merci. La femme a Diané. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Imam m'a envoyé ça, si l'autre numéro là, c'est ici, il veut. Non, 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 c'est pas là-bas. Attendez, j'ai appelé l'imam rapidement, il m'a envoyé l'image là, ici. Voilà, il faut que je présente ça quand même, pour que si elle voit, même si elle n'appelle pas, elle pourra être... Non, tu m'as envoyé ça, 47 là, 47, 47. T'as envoyé 47 là? Ouais, faut, c'est 47 là, je veux. Faut envoyer ces 47 là. Ok. Vidéo là, voilà. Ok. Elle dit à la mémoire de sa fille qui est décédée, je crois, dans un accident, non, je crois bien. Sa fille, voilà. La dame, chaque fois qu'elle parle de ça, elle a toujours les larmes aux yeux. Je lui ai dit non, voilà, de ne pas toujours pleurer, c'est vrai, ça fait mal, mais ce qu'elle a fait là, surtout le puits là, vraiment, ça serait. Voilà, ça serait... Voilà, il vient de m'envoyer. Voilà, je charge. Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Excusez-moi le dérangement, si je vous dérange vraiment. Je suis un admirateur de votre page. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur, monsieur Aloubo Guy. Monsieur Guy Martial. D'accord, je vous écoute alors. Non, il n'y a pas de souci. C'était pour déjà vous dire que je suis beaucoup votre page. Ça fait plaisir. C'est vrai que je ne suis pas musulman, mais je suis beaucoup votre page. Ça nous va droit au cœur. Voilà, je vais vous dire, vous exhorter à continuer à responsabiliser les gens, à pouvoir évangéliser, bon, pas évangéliser, à parler de Dieu aux gens. Effectivement. Vraiment, voilà, c'est vrai que je ne suis pas musulman, mais beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment. Exhorter les jeunes vraiment à aller vers la spiritualité parce que c'est très important. Effectivement. Voilà. En tout cas, s'il y a quelque chose que, individuellement que je peux faire pour vous soutenir, c'est plus le soutien de Dieu que je regarde. Amen. Moi, je ne parle pas de religion. C'est tout le soutien de Dieu que je regarde. Oui. Et je vais m'assurer que vos numéros sont des numéros. Orange Money, un truc, c'est une contribution personnelle que je veux faire. Voilà. Voilà. Donc, je veux savoir si le numéro est MTN Money ou Orange Money. Je paye le dépôt. Juste pour Dieu. Vraiment. Le reste, voilà. Le reste, moi, je veux pas rentrer dans certains débats, mais c'est juste pour Dieu pour vous soutenir. Je comprends maintenant. Vraiment, nous aussi, en retour, on prie pour toi, on fait des bénédictions pour toi, que Allah nous guide tous sur le droit chemin et que ton acte que tu as posé, te soit bénéfique également, parce que même si tu n'es pas musulman, que tu poses un acte, tu auras forcément la récompense. Si c'est un bien, c'est le bien que tu reçois. Si c'est le mal, c'est le mal que tu reçois. Et les messages, le message fort que tu viens d'envoyer, ça nous fortifie, ça nous galvanise, et puis ça nous donne encore le courage, non seulement de continuer, et puis de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de paix, de cohésion, et puis c'est voilà, ça. Avec surtout modération, parce qu'en Côte d'Ivoire, on est unis, quoi. Merci. Vous avez fait sortir le mot, surtout avec modération, parce que beaucoup de jeunes parmi nous ne sont pas modérés dans ce qu'ils font. C'est vrai. Que ce soit certains chrétiens, certains musulmans, ils ne sont pas modérés. Et surtout, vous pouvez parler de cohésion. S'il vous plaît, parlez surtout de cohésion, d'entente. Parce que vraiment, ce qui se passe parmi nous, la jeunesse, là, vraiment, c'est vrai. Si on n'a pas de guide, vraiment, pour nous diriger vers le droit chemin, ça sera dangereux. C'est vrai. Ça sera dangereux. C'est vrai. Voilà. En tout cas, vraiment, vous êtes beaucoup suivi. Ça fait plaisir. Parlez aux jeunes. Ouais. Moi, je vous suis. Sérieusement, je vous suis. Ça fait plaisir. Que ce soit Aka, Oustad Diané, que ce soit tous les autres, je vous suis. Ça fait plaisir. Même Abdul Mazik, je suis beaucoup. C'est sûr que je suis sur YouTube. Parlez beaucoup à notre jeunesse. Oui. Parce que les mots qui nous minent la drogue, la criminalité, vraiment, on arrive à un stade vraiment où si c'est pas Dieu qui peut nous sauver, c'est clair. Personne ne peut nous sauver. Clair. Voilà. En tout cas, je vais pas être long. Je veux savoir si vos numéros que vous avez mis sur la page, si c'est Orange Money ou ces trucs. Effectivement. Voilà. Ok. Merci beaucoup, mon frère. C'est quel nom là?
Monsieur Guy Martial Albo. Ok, enchanté mon frère, ça me fait plaisir. Et les internautes sont contents également de ton message. D'accord. Merci beaucoup à vous, bonne soirée. Merci, merci beaucoup. C'est ce genre de message que nous avons besoin. Ce genre de message que nous avons besoin. Et ce genre de personne, on peut échanger avec lui toute une journée dans la paix, dans la bonne ambiance. Il n'est pas vulgaire. Il est éduqué même par les verbes. Il est respectueux dans ses propos. Il veut même participer aussi à sa manière. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, y compris lui. Allô? Allô, Oussam, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Oussam, toi, tu es la présidente de DDR Dalois. On vient à Dalois. Et puis, c'est le lendemain, tu appelles. Pendant que moi, j'ai en direct sur TikTok, où le monde entier t'écoute là. Où toi, tu as peur de parler à la radio là. C'est TikTok qui a appelé. Je suis en direct sur TikTok. Oussam. Je suis en direct. Oussam. Bon, il y a tiré la fin, alors. Oui, si ce que tu as dit là, si c'est pas mauvais, là, faut dire en même temps. Ou bien, on fait comment? Non, c'était pour demander le numéro de ton papa là. C'est, tu avais dit 44 ou bien ça 45? Non, 44. D'accord, comme je suis le frère là en question. Ok, Inch'Allah. D'accord. Mais AK, pour AK 47 là, c'est 45, hein? Qui est AK? AK 47, AK 47. Lui, sa pointure là, c'est 45. Il y a 2,45, voilà. 4,44 et puis 1,43. Voilà. AK-47 là, lui il porte 44. AK. Non, c'est bon, tu vas comprendre après. D'accord, la facilité. D'accord, ça va le coup. Nous sommes à Dalois, c'est la présidente des femmes de DDR Dalois qui vient de m'appeler. C'est le modérateur de la dernière fois qui a surnommé Imam Berthe AK-47. C'est pas moi, des Imam Berthe nous a. Ouais. Bien, mon jambe. Bon d'accord, j'ai fini, viens. À la terrasse là. Oui, à la terrasse. Ok, viens. J'ai terminé en même temps. Joe, on dit à manger, hein. Donc là. Bon, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi le numéro? 0747-320455. Oui, place Bebani Abdul Majid. Oui, en conférence, Inch'Allah. C'est une réalité. C'est pas de l'amusement, quoi. Voilà, donc je vais planter tout de suite la vidéo. Voilà. Voilà. Voilà, Dieu merci. Ça, c'était au début, avant les travaux, avant que les travaux ne finissent. Vous voyez? Vous voyez le puits? Ça, c'était quand ils étaient en train de construire. Maintenant, je vais vous montrer à quel niveau nous sommes actuellement. Regardez. Vous voyez? Elles sont heureuses. Elles sont très heureuses dans le village là. Donc, maman. Fatoumata, si tu nous suis, voilà le puits, c'est fini. Les femmes sont en train d'épuiser l'eau. Elles sont très heureuses même d'ailleurs. Donc je vais remontrer la vidéo, Inch'Allah, pour vous. Allô, walaikum salam. La petite, elle n'est pas montée, vous faites signe par rapport au repas, hein? Oui, on m'a appelé, je viens descendre tout à l'heure. Ah, d'accord. Inch'Allah, merci. Ah, on est bien accueillis. Hein. Il y avait 2275 francs, je viens de recevoir. Donc vous voyez... Voilà le puits. J'espère que vous voyez bien la vidéo, non? Voilà. Donc, on va dire Alhamdoulilah. Voilà une seconde vidéo encore. Donc, maman, si tu nous suis, le puits est fini. Elles ont commencé à boire de l'eau. Le village est content. Ils sont tous heureux, les villageois. Voilà, sont contents. Donc, Alhamdoulilah. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais. Bonsoir, monsieur Abdul Majid. Non, c'est pas Abdul Majid, c'est son élève. Ah, c'est son élève. Oui, c'est qui? Je parle avec qui? Vous parlez avec monsieur Labou. Monsieur Labou, vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Vous m'appelez d'où? Vous appelez d'où? Il y a longtemps, on a causé, j'appelle de Soubri. Il y avait un moment, tu avais tracé un programme contre quoi à Soubri. Mais à présent, j'ai appelé vos éléments de Soubri, ils m'ont donné votre position, qu'à présent, vous êtes à Dalois. On est à Dalois. Tu es à Dalois aussi? J'ai dit, j'appelle de Soubri et je devais vous croiser. Vous okay. Avez dit à la fin du mois passé, mais il s'est avéré qu'on ne s'est pas vu. Donc, tu veux nous raconter, c'est pourquoi?
vous et moi, on avait causé de ça ou il y a longtemps? Mais j'ai pas oublié, comme je reçois tellement d'appels là, j'ai pas oublié. Ah, d'accord, vous, on avait parlé et... Bon. En bon dit, je vous l'ai dit, je suis chrétien. D'accord. Voilà. Et vous et moi, on a eu à échanger. On a parlé de quoi? Et toi, tu avais appelé, l'objectif, c'était quoi? Bon, je suis dans un milieu, après je vous rappelle, ah, s'il vous plaît. D'accord. Donc, mais il faut te déplacer un peu. Déplacer pour ma voix, ça serait un peu compliqué. Là, on dit qu'on vient à Daloa, on vient à Soubré du 1er janvier au 6 janvier. Nous serons à Soubré, Inch'Allah. Ah, du 1er au 10. Non, du 1er au 6. Ah, du 1er au 6. Voilà, nous serons à Soubré. Ok. Sinon, la fois dernière, je vous ai appelé, vous et moi, on a causé où on s'est dit que, où on a eu un sujet pour dire que Jésus est Dieu, vous m'avez fait croire que Jésus n'est pas Dieu. Et on a laissé le sujet en suspension. Et que vous et moi, on devait se voir et causer de ça. Donc, ah, tu veux qu'on parle de ça, quoi? Voilà. C'est toi-même qui veux ça, quoi? Oui, oui. Donc, si, vous et moi, on a tracé un programme pour ça. J'ai dit que j'ai tellement d'appels, je reçois tellement d'appels. Donc, ça veut dire que tu es prêt à m'attendre là-bas. Tu es seul ou bien tu as une équipe? Je suis seul. Là, je vous assure que je suis seul. Quand on sera à Soubré, là, tu viendras seul pour le débat ou bien tu seras en équipe? Je serai seul. Toi seul? Oui. Tu as venu défendre ta foi? Oui, ma foi, ma croyance. Ta croyance en Jésus, le fils de Marie? Oui, oui. Maintenant, avant de planter le décor, tu veux que, si on vient à Soubré, oui. Si toi tu viens seul, ça veut dire que ça... Non, je voulais dire ceci. Je vais enregistrer ton numéro, hein. Oui, oui. Mais il y a longtemps, vous m'avez dit que vous l'avez enregistré, mon numéro. Le téléphone a eu un problème, il t'a oublié de réinitialiser tout, effacer tout, en fait. Maintenant, si elle vient à Soubré, oui. Toi seul, moi seul, on va parler de quel sujet selon toi? On va parler, le sujet le plus important, c'est que on doit parler, je dois vous faire comprendre que Jésus est Dieu. D'accord. Et vous de votre côté, vous devez me faire croire aussi que Jésus n'est pas Dieu. Et vous cherchez à me mettre sur la bonne voie. Donc, devez me faire croire par A plus D que Jésus n'est pas Dieu. Donc, si dans, entre nous deux, si toi tu es convaincu, si je t'éprouve avec les versets bibliques, preuve à l'appui, tout le monde va voir. Est-ce que tu seras prêt à devenir musulman si je t'éprouve que Jésus n'est pas Dieu, selon la Bible? Je te donne ma parole. Maintenant, si toi aussi tu m'as prouvé, selon la Bible, que Jésus est Dieu, c'est lui qu'on doit adorer. Moi, je suis prêt à devenir chrétien. Moi, c'est pas moi seul, hein. Moi, Abdul Majid, le docteur, Imam Berthe, Ismaël Akka, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, nous tous, on va devenir chrétiens. Okay. Mais si tu n'as pas pu le prouver selon la Bible, moi je ne veux pas tous les chrétiens, c'est toi celui qui veut. Oui, oui, moi je dis, je n'ai pas de groupe, je viens pour que toi et moi on ait une conversation. D'accord. Et si vous m'avez fait croire que celui à qui je crois n'est pas Dieu, je deviens immédiatement musulman. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vais enregistrer ton numéro. Oui, oui. Je vais enregistrer ton numéro. Sinon, voilà. Vous m'avez même donné le contact là, de votre... Il y a des codes derrière moi, hein. C'est un Koyara. Voilà. Koyara qui est gars de code de Sénoufo. De vos acteurs, ici, comme ça, je vais à peine communiquer avec eux. Hein? J'ai dit, il y a un moment même, vous m'avez donné le numéro de votre agent ici, et comme ça, j'ai coupé avec eux. D'accord, donc je vais enregistrer ton numéro. Oui. Comme on a déjà planté le décor, Fatma et Mariam, c'est où on passe? Voilà. Là, comme ça, c'est qu'est-ce que tout compte faire? Faites une fois pour qu'on puisse se croiser. C'est ici, non? D'accord, donc, comment tu t'appelles? C'est Rodrigue Labo. Où ça, ici? Ok. D'accord, où sont les autres? Okay. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais enregistrer ton numéro. Mais mon problème, tu viens seul là, c'est ça qui me fatigue en fait. Non! Et venir avec plusieurs ou venir seul, ça ne change rien. Non, moi je préfère. Voilà, c'est la parole. C'est la parole.
Ça, voilà. Parce que quand vous partez ensemble, chacun a son point de vue, chacun a son point de vue. Mais moi, je viens en fait seul parce que j'ai mon point de vue. D'accord. Donc ce qu'on va faire, oui. Je vais réenregistrer ton numéro tout de suite. Oui. Je vais les donner, je vais t'appeler, mon frère. Ouais, ouais. Et même, je pose déjà avec eux. Ah, tu poses déjà avec eux. Ok, voilà. Ça marche. Non, moi, c'est eux qui m'ont donné le programme que vous êtes à Dalois, des Dalois où partez, c'est là où vous tirez à Soubré. Ok, donc, mais moi je souhaite que tu viennes avec une équipe, non? Là, ça serait un peu plus parce qu'on va faire ça en public, les gens. Parce que peut-être que tu vas convaincre tous les musulmans de ce jour-là de Soubré. D'accord, tout compte fait, je ne fais rien du tout. Ou bien tu ne crois pas, tu ris là, ça veut dire que Jean, tu ne crois pas, on dirait tu ris. Lui met dans son cœur, il va dire, c'est ça, c'est... Et j'ai compris. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. Ça m'a fait plaisir. Ok. Donc, on garde le contact. Là, débat là. On fait ça. Débat ça là. On fait. Donc, voilà le puits. Donc, pour ceux qui voient, voilà la soeur. Voilà son puits est fini. Voilà. Kaïp, moi, elle n'a qu'à dire un mot par rapport à leur joie qui ressent. Ah, hein. Elle va se blesser. Voilà, donc c'est déjà bon. Donc, on a, voilà, ça c'était quand c'était fini au début, on n'avait pas encore commencé à utiliser le puits. Voilà, donc on voyait un peu, quand c'est fini nouvellement, ça n'avait pas encore été commencé à utiliser. Dans le village, là, il y a vraiment, ça les a fait plaisir. Donc, on. À la facilité. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, moi, il t'a appelé tout à l'heure par rapport à le Nord, Gary, gagner la finale. Oui. Voilà, je viens de vous faire dépôt. Ok. Tu as fait ça, c'est quoi? MTN ou bien Wave? J'ai fait ça, c'est MTN Money. Ok, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Ouais, ouais. Inch'Allah. Ouais, ouais. Tiens. Ok. Amina. Ah, il vient de recevoir 30 000, non? Oui. Voilà, il a reçu. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Bon. Je vais donner le numéro pour une dernière fois et puis on va s'arrêter là. Salut, mon grand. C'est ce qu'on peut vous joindre sur WhatsApp? Oui. 0747 32 0455, ça c'est le WhatsApp. 0747 32 0455, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, Inch'Allah. Le puits que vous avez vu pour la dame qui a fait ça à la mémoire de sa fille qui est décédée, comme je le disais, il y en a de 380 000 francs jusqu'à 1 million. Ça dépend du matériel qu'on met et tout ça. Quand on envoie l'argent non expédié, et puis au départ, on voulait faire ça dans un village où il y avait déjà au moins 3 à 4 puits. Donc, on n'a pas voulu faire. On était obligé de changer de lieu pour trouver un village où il n'y a pas de puits. C'est pour ça que l'imam a donné le nom du village là tout à l'heure. Donc, c'est là qu'on a fait et ils sont très heureux par la grâce d'Allah. Il y a forage, mais forage là, ça aussi, c'est trop cher. Nous-mêmes, si on a gagné forage, même dans notre centre là, ça serait bon. Forage là, ça va dans 7 à 10 millions. Courage, il faut construire, ça va en haut, il y a une grosse barrique en l'air, et puis tu branches tout le brancher, ça va dans 10 millions. Oh, 10 millions, c'est pas près de 50 000 euros, non, hein, près de, non, il dit 50 000, 20 000 euros comme ça, non, ouais, 10 millions, ça fait un truc de 20 000 euros comme ça, ça c'est pour fourrage, non, c'est d'utiliser 13 euros, je sais pas, j'ai pas compris, 13 euros, 1300 euros, Non, 13 000 euros. Ah, ok. 13 000 euros. Ah, tu as vu, 10 millions, ça vient de 13 000 euros, non. Ok. Donc, voilà un peu. Ça, c'est forage. Mais ce qu'ils viennent de faire, là, si tu prends, par exemple, de 380 000 à 1 million, 1 million, ça fait 1 500 euros, non. Non, 1 550 ou bien 1 600 euros, comme ça, 1 million. Ah, il y a un qui dit 15 000 euros. Ça, c'est fourrage, hein. Ça, c'est fourrage. Si on a eu ça pour notre complexe, notre centre, là, ça serait bon. Parce que payer facture. Or, si tu fais un fourrage, tu déposes là-bas. Ben, pour toute la mosquée, pour la construction, les gens vont prendre ablution. Les gens viendront pour... Les élèves vont boire de l'eau. Les élèves franco-arabes buvront de l'eau. Les convertis viendront boire de l'eau. Les invités
vont boire de l'eau. Tu vois, ça serait une très bonne chose, quoi. 16 000 euros, 10 000... 10 000... Bon, je sais pas. D'accord. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je dois aller laver ma main. Donc, si je lave ma main, là, c'est pas... Voilà. Mais donc, je redonne les numéros et l'objectif également. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. 10 400 000, ok. Un internaute à partir de 1000 francs. Un internaute à partir de 1000 francs. Un internaute à partir de 1000 francs. Nous avons près de, je sais pas, peut-être 100 000 abonnés sur TikTok. 100 et quelques mille abonnés sur YouTube. 1 400 000 sur les deux pages Facebook, Ismaël et moi. Donc, si on fait un internaute à partir de 1000 francs, vous voyez, vous allez voir ce que ça va donner. Allô? Allô, oui. Oui, allô, salam alaikum. Walaikum salam, ça va ou ça, Djani? Oui, ça va, alhamdulillah. Vous m'appelez de la France, à qui ai-je l'honneur? Bien, c'est pour savoir si vous êtes disponible pour un débat. Avec qui? Avec, je ne sais pas si vous vous rappelez là. Le gars, il y a ici deux garçons qui nous ont contactés là en juillet. Ah oui, je vois. Ouais. En fait, c'est le même, je vais faire encore un débat avec vous. Qui ça? Hugo là. Je vais faire un débat avec vous, avec Cheikh Adam là. On va pas faire le débat sur WhatsApp. Moi, je fais pas de débat sur WhatsApp. Moi, je fais le débat plutôt dans StreamYard. On va s'enregistrer StreamYard, on se voit en vidéoconférence. Voilà, oui. Voilà, c'est encore mieux, quoi. D'accord. Vous êtes disponible quand, s'il vous plaît? Non, il va falloir qu'il s'inscrive d'abord. Voilà, il va s'inscrire. Okay. On va faire l'inscription. Je verrai en visioconférence. On peut le faire demain, après-demain, ça dépend. Mais okay. Il va falloir qu'il soit inscrit. S'il est déjà inscrit sur WhatsApp, et disons, sur le StreamYard, là, on peut programmer maintenant. Si la visioconférence est bonne, on fait ça maintenant. On programme le jour, quoi. On peut le faire à main. De toute façon, on sera à main, Inch'Allah. Ok, d'accord. Merci. Merci. Vas-y, au revoir. Donc, tu coordonnes ça et puis tu me reviens, Inch'Allah. D'accord. C'est bon. Donc, opération, un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR. Ça va faire. Ouais, il faut boire fort pour oublier un problème. Proverbe 31, le verset 6 à 7. C'est bon comme ça, c'est trop même. Proverbe 31, verset 6 à 7. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Tu peux monter chez nous là, j'ai laissé un crâne de coca là-bas de toute façon. Mm-hmm. Tu vois, non? Mariam! Tu vois pas son message? Hein? Quel message? Je vois pas. Au sens, qu'est-ce que signifie la DDR? La DDR signifie la dawa dans la rue. Voilà, proverbe 31, 6, 7. Dawa dans la rue. Ça dit appeler les gens dans la rue, bien sûr. Opération 1000 francs pour internautes là. Il y a presque 1 million déjà. Ah bon, c'est le système. Les gens même savent. Et puis ils sont contents même pour ça encore. Parce que ça serait très facile, quoi. Parce que il y a des systèmes quand on met en place, c'est bon. Mais il y a aussi un système plus facile encore. Donc chaque fois on vient, on fait le point. Mm-hmm. C'est comme Jonathan Morrison, tu vois ça, il a fait. Mm-hmm. Mais n'a qu'à faire pour lui là, c'est. C'est Maracana, non? C'est bien ça. Bon, ça c'est le domaine de. Moi je ne rentre pas dans ça, c'est pas mon domaine. Mais pour nous, c'est pour la cause d'Allah. Et c'est un peu ça. Pourquoi? Je répète encore, nous on est 1 million de personnes. D'internautes. 1 million d'internautes. Si un internaute à partir de 1000 francs. Je pense que ça allait faire beaucoup, mais les gens sont en train de participer par la grâce d'Allah. Surtout quand Ramadan va arriver encore, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, qu'Allah facilite. Bon, le centre, on a fait la pose des pierres, vous avez tous vu. Je donne les numéros pour votre participation, qu'Allah vous récompense. Si vous voulez participer, mettez les intentions, la bonne intention avant de participer, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. Si on peut avoir les réalisations. Quoi. Bon, il faut demander aux imams.
faut demander aux imams. Voilà, il faut demander aux imams, Inch'Allah. 07 47 32 04 55 05 2 fois 40 86 85. Mounira, merci beaucoup. Merci beaucoup. Opération d'internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique DDR, pour l'encadrement des convertis, pour aussi l'encadrement des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viendront pour pouvoir se poser des questions. C'est quoi ça? Du Gabon, comment faire pour parvenir ma contribution? Il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a Wave également. Il y a Orange, il y a MTN, il y a Wave. Voilà. Il y a Orange Money, il y a MTN, il y a Wave. Donc le 47 32 04 55, c'est Orange Money, c'est Wave. Voilà. N'approchez point de la fornication. C'est Sourate 17, verset 32. Sourate 17, 32. C'est ça, c'est la sourate qui dit ça. Tu vois, vous demandez les versets, non? C'est bon. Ça veut dire qu'il y a un débat à l'aise là. Donc voilà pourquoi le centre là, ça va donner de la formation aussi à la jeunesse, quoi, qui veut apprendre l'interreligieux aussi, Inch'Allah. Sourate 17, 32, merci. Bon. On va s'arrêter là. Ce soir, 20h, 22h, place Bebani. Nous sommes à Daloa, caravane DDR pour la cohésion sociale, Dawa. Avec le docteur Abdelmadjid, Ami de Liberté de Orsi, Organisation Sharaf al-Islam, et Petit Voyage, Lam Yara, le roi du bazar, et puis également Cool God, c'est une structure également de notre grand frère M. Koulibaly. Cool God, voilà sa structure est là, il y a Ivoire Bâti Route, il y a Lam Yara, le roi du bazar, il y a Petit Voyage, il y a Orsi de Imam Berté, il y a la DDR, il y a d'autres structures encore. Voilà, la télévision d'Albayane également nous accompagne, il y a la RTI qui nous accompagne, RTI 2 nous accompagne, la radio Adjamé FM nous accompagne. Je vais faire une émission sur Adjamé FM. Une fois retourné à Abidjan, ils m'ont contacté pour faire une émission pour l'événement parce que le docteur Abdelmadjid doit faire un grand débat à Abidjan. Donc je vais passer sur certaines radios avec mon petit Ismaël. On va faire des émissions, vous allez appeler l'auditeur en ligne pour pouvoir participer. 07 47 32 04 55 pour votre participation. 07 47 32 04 55 05 40 86 85 05 2 fois 40 86 85. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est l'Afrique.